Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare un petit pain cétogénique super facile, super rapide. Au fait, enfin ça ne prend que 90 secondes au four à micro-ondes comme vous allez voir. Mais écoutez, quand bien même vous n'aimez pas les fours à micro-ondes, restez avec nous parce qu'il y a toujours un autre moyen de faire cuire ce pain. On en reparlera. Mais avant de passer à la recette, permettez-moi de vous expliquer que ceci est la version française d'une vidéo, une de mes toutes premières vidéos, et elle est devenue la plus populaire de toutes. La semaine dernière, elle a dépassé les 250 000 visionnements. Je dois dire, enfin, je suis tout à fait étonné de ça. Et pour célébrer ça, enfin, j'ai décidé de faire une version française. Alors voilà, on va passer à la recette. Il vous faudra d'abord 3 cuillères à soupe de farine d'amande ou bien 1 cuillère à soupe de farine de noix de coco. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et une pincée de sel. On va mélanger les ingrédients secs, comme ça. On va y ajouter les ingrédients liquides. D'abord, un œuf battu. Je le mélange dans un bol parce que c'est plus facile de tout incorporer. Là aussi, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez y mettre du beurre, bon, l'huile de votre choix, quoi, enfin, du gras, quoi. Alors là, on va tout mélanger. Et voilà, je crois que c'est suffisant. Et ensuite, on va mettre le tout dans un bocal Mason. Vous pouvez utiliser le contenant que vous voulez. Alors voilà. Pas besoin de le graisser. Enfin, il y a déjà beaucoup de gras là-dedans. Et passons au four à micro-ondes. Bon, on va mettre le bocal au centre du four et puis on va attendre 90 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, le bocal est bien chaud, alors voilà. Et voilà notre pain, comme vous voyez, il ne colle pas au bocal. Et on va le couper en tranches, d'abord en deux, hein, vous voyez, et puis en quatre, pour faire des toasts. Un peu de beurre, et le déjeuner est prêt. On va le goûter, hein, voyons. Moi, je veux dire, j'aime bien ça, surtout grillé comme ça, enfin en pain grillé. Vraiment très très bon. Écoutez, j'ai promis de vous dire comment faire cuire ça dans un four conventionnel. Vous le préchauffez à 350 degrés, c'est 170 degrés centigrade, et vous mettez dans un contenant que vous pouvez utiliser au four conventionnel pour à peu près 10 minutes. Surveillez-le, mais en 10 minutes, vous devrez avoir à peu près le même pain que celui qu'on a fait dans le four à micro-ondes. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Avant de partir, j'aimerais bien ça, que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. J'aimerais aussi que vous partagiez cette vidéo chez Facebook surtout, que vous la commentiez et que vous likiez également. Merci d'être avec nous chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. À la prochaine!